Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un peel-up AFK qui va vous permettre de faire le camouflage de vos armes facilement et très rapidement. Cependant ce glitch n'est pas très facile à réaliser mais je vais quand même vous l'expliquer. Alors bien entendu ce que je vous conseille c'est de vous équiper de deux armes que vous voulez débloquer le camouflage pour réaliser le glitch. Après vous gagnerez aussi des XP hein, bien entendu, mais à partir d'un certain nombre de zombies tués vous n'en gagnerez beaucoup moins. Alors ce glitch, excusez-moi pour le réveil, ce glitch a été trouvé par Smiley Glitcher, que je mettrai sa chaîne en description. C'est un français qui fait des glitchs, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne pour le soutien. Donc ce serait très sympathique de sa part, de votre part, et merci de sa part. Donc voilà, alors le glitch, il vous faudra vous rendre pour réaliser le glitch dans la map Shinonuma, et il faudra avoir l'objectif récolte. Et il faudra aussi que l'obélisque, donc la pierre que vous voyez en face de moi, soit exactement à cet emplacement là, ou sinon ça ne fonctionnera pas parce que le glitch se fait à cet emplacement là. Donc ce que vous allez devoir faire en fait, c'est sauter sur la pierre comme ceci, et vous allez devoir vous placer au-dessus de la pierre à un endroit bien précis. Alors bien entendu c'est assez compliqué, donc moi j'essaye de le monter vers la gauche, je ne sais pas si c'est plus facile, parce qu'en fait quand vous allez être en haut, voilà, je me fais décaler de l'autre côté. Donc c'est assez compliqué, il faut à peu près se mettre près de la pointe de l'obélisque. C'est pas du tout évident à faire. Mais quand vous allez réussir à le faire, bah vous serez carrément invincible à 100% contre tous les zombies. Là j'y étais presque, mais il faut vraiment bien s'arrêter à un bon moment. Et en plus avec les zombies, c'est pas facile du tout. Donc si vous le faites à deux, il y en a un qui fait tourner le zombie pendant que vous essayez de vous placer. Ouais, j'y étais presque, mais c'est assez compliqué. Hein. Ok, donc là, je pense que j'y suis. On va voir si je tue les zombies et que je tombe, ça veut dire que je suis pas bien dans le glitch. Bien entendu, maintenez votre analogue vers l'arrière pour ne pas tomber. Et là, bah, effectivement, ça m'a fait tomber parce qu'il y avait un zombie. C'était le zombie qui me faisait tenir. Mais sinon, vous avez vu à peu près l'emplacement où vous devez vous placer. Et normalement, vous ne devez pas avoir de zombie en dessous de vous qui vous maintient dans les airs. Ça doit vous maintenir tout seul normalement. Ok, donc là je viens de réussir. Franchement, j'ai pas vraiment d'astuces à vous donner pour réussir parce que c'est vraiment un coup de chance, parce qu'il est très compliqué. Mais regardez, quand vous êtes en haut de l'obélisque, vous voyez que vos pieds ne bougent plus en fait. Donc ça veut dire que là, il n'y a aucun zombie en dessous de vous. Regardez, je suis tous les zombies en dessous de moi. Et il n'y a aucun zombie qui me maintient en l'air en fait. Je suis vraiment au-dessus de l'obélisque. Mais ce glitch est quand même compliqué à faire. Il m'a fallu 5 à 10 minutes pour y arriver. Donc si vous le faites et que vous trouvez une petite astuce pour y arriver plus facilement, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que franchement, il est assez galère. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation. J'espère que cette vidéo d'information bah, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.